sans déconner quoi. Il manquerait plus que la musique de Star Wars et c'était parfait quoi. On trouve que les jeux parfois sont hyper barrés actuellement, mais je pense que avant c'était pire. Et je pense que rien que l'introduction de ce jeu peut nous en convaincre, puisque c'est assez, c'est lamentable quoi. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons jouer à James Bond 3. Ni le premier ni le deuxième. Opération Starfish. Je sais pas si vous avez bien compris la trame. Bon, apparemment il y aurait le professeur Maybe qui du coup a dû quitter le pôle Nord à cause de ses précédents avec James Bond. Et du coup il va aller chercher une nouvelle ressource sur la Lune. Donc du coup il demande à des rats de venir l'aider, du moins des rongeurs. Et puis voilà. Quand je vous dis que c'est barré, c'est barré. Donc, bienvenue à tous. Nous allons commencer, je vais faire un petit start. Et on est parti. Donc, nous avons, comme souvent sur le jeu de cette époque, trois menus au départ. Menu démarrer, avec les passwords pour le niveau. Et le menu option. Donc le menu option, comme d'habitude, le son, un peu les contrôles, ça n'a pas beaucoup, beaucoup changé. Donc on va commencer directement. Nouvelle partie. Alors je précise que je n'ai jamais joué à ce jeu avant. Donc on va le découvrir en même temps. J'ai juste joué une ou deux minutes. Et déjà ça commence bien puisqu'on a le jardin des dames. Les dames étant un fromage, vous allez comprendre pourquoi le prochain niveau. Good luck, Pond. Get ready, Pond. Destination, jardin des dames. Alors là, je sais pas s'il va se passer quelque chose ou il faut que j'appuie sur Start. Normalement, bon, j'appuie sur Start. Donc on est parti, c'est un jeu de plateforme en deux dimensions, bah, comme à l'époque, où on dirige James Bond. Je crois que c'est une tortue. Oui, c'est une tortue. Il y a une tortue ninja un peu spéciale. Donc, au début, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, on peut se fighter, voilà, en mettant des coups de poing, en choisissant le droit ou gauche. Alors, chose un petit peu particulière au niveau du maniement, c'est que si j'appuie sur pour taper, il se passe rien du tout. Il faut que j'indique une direction. Donc si j'avance et que je tape, ça tape. Mais si je bouge pas, je ne peux pas taper. Voilà. Donc il faut que je tape, et qu'après j'indique une direction, et là il frappe dans les côtés. Voilà. Ensuite, bon, bien évidemment, il peut sauter. Ça ne change pas. Et puis c'est tout. C'est tout, donc c'est assez rudimentaire. Alors là, on a une étoile dès le début en haut. Petit cachotier. Hop là. Super le bruit. Heureusement qu'on joue à James Bond, pas autre chose. Donc on est parti. Alors, première particularité, vous allez voir. C'est Sonic. Non, ça ressemble un petit peu à Sonic. Voilà. Si franchement, ça s'est pas pensé à Sonic. Bref. Donc évidemment oui, alors quand on laisse appuyer sur la touche B et qu'on avance, au bout d'un moment il prend de la vitesse. Ce qui nous permet de monter des collines toutes plus improbables que d'autres. Donc voilà, donc c'est du grog. Donc il faut que je monte, si je double la ratio de grog, si je laisse mon bras bloqué sur cette coupe, j'ai un centre. Oh là 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 là, j'ai rien compris. Bon, enfin bon, vous avez sûrement compris, mais vous savez que l'anglais avec moi ça fait 2. Mais soit, bon apparemment ça fait quelque chose. Si on arrive à avoir toute la coupe est pleine, si la coupe est pleine. Donc ok, là on a un petit bâton de dynamite que l'on peut prendre, qu'on doit pouvoir balancer je pense. Et voilà, qui explose. D'accord, ça c'est une bombe. Ah bah oui, alors d'accord, la bombe, faut la prendre directement. Et là, on a du fromage. Étonnant, dans le jardin des dames. Donc là, on est parti. Là, vous allez avoir l'influence de Mario, même si évidemment, ça ne veut rien dire. Par exemple, ça, tac. Si c'est vraiment ça Mario, franchement, arrêtez la vidéo tout de suite. Non, alors on est parti, je vais casser les lunes, je pense que ça fait juste du score. Hein. Ouais, voilà, 450 points, 500 points. Je sais même pas à quoi ça sert ces scores, franchement, parce que franchement, moi je m'en tamponne de faire un score énorme ou pas. Alors là, ouf, heureusement j'ai été sauvé par le bout de fromage. Donc on remercie le bout de fromage de m'avoir empêché de tomber.
Et donc on avance, donc pour l'instant on n'a pas d'ennemis. C'est assez, assez tranquille. Là je vais prendre de la vitesse. Et voilà, donc là, une chose que j'ai essayé de faire avant d'arrêter la vidéo, c'est d'accéder à ce truc là. Mais franchement, mais... Ah, c'est impossible, c'est pas possible. Je vais essayer d'aller le plus doucement possible, voilà. On lâche tout. Non, trop. On va plus loin. Non, je vais pas aller de l'autre côté, merci. Non. Oh putain, c'est pas vrai. J'arrive vraiment pas à aller jusque là. Alors je sais pas si... Ah, c'est une technique. Oh, bon alors là, c'est encore pire. Mais je n'arrive vraiment pas à aller de l'autre côté. Aller au sommet, voilà, j'arrive vraiment pas à aller sur le sommet. Donc là j'essaie d'aller doucement, d'avancer un petit peu. Mais après ça va trop vite de l'autre côté, donc du coup je suis bloqué chaque fois. Ah, ah, j'ai presque réussi. Ah, ah, putain, ça c'est du fail. Et voilà, et non, et non, et non. Allez, allez, on avance, on bouge. Non, bon, c'est trop. Bon, c'est pas grave. Allez, on est parti, on va aller quand même à la suite du niveau, sinon on va passer 3 heures. Donc là on s'en fiche, on saute de partout. Au niveau des décors, bon, bah, c'est assez simpliste. Hein. Les petites fleurs animées, c'est tout mignon, tout gentil. Mais... Ah, mais j'ai des... mais je sais pas à quoi ça sert. Par contre, on débloque des croissants de lune. Non, derrière l'arbre, j'ai réussi à débloquer des croissants de lune. Bon, pourquoi pas. Allez, on avance. Encore des croissants de lune. Par contre, c'est quand même bizarre. Ah, enfin. J'allais dire, il n'y a pas d'ennemis. Et bon, alors, en plus... En plus, je me fais toucher les... Alors... C'est une sortie ordinaire... Il faut la désactiver avant de continuer la mission. D'accord. Bon, je pense qu'il faut la taper, quoi. Ah, il y a une petite musique. D'accord, ok. Tout simplement, pour finir le niveau, il faut la casser. Bon, j'aurais dû prendre ce qu'il y a derrière avant, parce que vous avez vu qu'il y avait un petit objet. Nos bonus, nos bonus. Ok, bon ben il y a eu un ennemi au premier niveau. Donc pour l'instant on peut pas dire que ce soit très très difficile. Mais soit, on passe à la suite. Donc on est à l'est des dames. Chambre des niveaux, ça va être la vallée de l'air d'Amer ou le refuge Cantal ou un truc du genre, parce qu'on est bien parti dans les vannes pourries sur le fromage. Ça pue tout ça. Allez, donc on est parti. Alors il y a des grottes en dessous, je sais pas si on peut y aller. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses cachées. Par exemple, là par exemple, on pouvait escalader. Non. 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 Ouais. Donc comme je l'ai dit, le jeu sorti en 93, donc dans la période, la moyenne période de la Super Nintendo. Voilà, j'ai réussi à le taper. Graphiquement, bon, c'est assez simple. On dirait un petit peu du Worms aussi, suivant les niveaux. Voilà, jusqu'à tout. Je sais pas ce que c'est, ce truc. Non, oui, je veux pas le taper. Ah, si. On dirait un caillou. D'accord. Ah, si, je peux le prendre, d'accord. Et est-ce que je peux l'utiliser? Aïe, mais t'as plié. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là on a une pierre, d'accord. Waouh, c'est joli. Toutes ces lunes, il y en a partout. Non, je sais pas à quoi ça sert. À quoi ça sert ces cailloux? Bon, non, ça doit être sûrement pour le balancer. Ah oui, alors, oula. D'accord. Alors là, c'est totalement inversé. Ce qui fait qu'en fait, si je vais à droite, ben ça va à gauche. Bon, ça paraît logique en fait. Donc je vais retourner l'écran. Mais je vais le mettre à l'envers. C'est peut-être un peu plus facile. Ah là, c'est bon. Ok. Donc en fait, il n'y a pas de gravité. C'est-à-dire que vraiment, si on se retrouve à l'envers, bon ben on tourne pas. On suit juste la courbe du terrain. C'est vraiment, vraiment spécial. Hein. Je vous l'avais dit, c'est un jeu assez... Apparemment, j'ai débloqué quelque chose. C'est un jeu vraiment, vraiment space. Alors là, j'ai réussi à esquiver, je sais même pas comment j'ai fait. J'arrive même à sauter comme ça. Bon. Ah bah, on va avancer, hein.
D'accord. Donc là... Non, je pensais qu'on rebondirait dessus, et ben que dalle. Donc on va casser ça. Ah ouais, mais il manquerait plus qu'on ait un champignon qui sorte des... Qui sorte, hein, franchement. Alors, bon ça, ça donne beaucoup de points. Super, c'est pas ce que je voulais. Donc là, on va prendre de la vitesse. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc on prend le plus de vitesse possible. Et voilà, et on se retrouve là. Oh, en plus je saute sur eux. Donc apparemment... Aïe, j'allais dire apparemment... Bah je suis mort. Apparemment, quand on est sur eux, bon, bah ça fait pas beaucoup de dégâts, de dommages. J'ai pas trop compris, parce que je suis tombé sur leur tête et en fait, il s'est rien passé. Et après, quand je suis revenu, bah... Je suis tout pris dans la gueule. Ok. Donc là, on avance. On avance. Aïe! Aïe! Je fais n'importe quoi. Du coup, j'arrive même pas à taper assis quand même. J'arrive même pas à prendre le truc. Voilà, on récupère ça. Et on redescend. On est des fous. Voilà. Et... D'accord, ok. Donc j'ai réussi à mourir deux fois, il me reste plus qu'une vie. Ça commence bien. Je dis au début que le jeu est bien, et en fait, je fais n'importe quoi. Enfin, que le jeu est facile, mais j'arrive même pas à franchir les premiers niveaux. Donc là, on est parti, on sait qu'il n'y a rien. Voilà. Il faut dire aussi que j'ai vraiment du mal avec les touches un peu décalées, c'est un peu bizarre. Il faut dire aussi, oui, je pense que j'ai déjà dit, mais je joue que mes de Saturne. Donc du coup, les boutons sont un peu inversés, c'est un peu spécial. Oh le, mais c'est pas possible ça. Reviens. Et voilà. C'est pas grave. Donc apparemment, je remplis quand même ma tasse de thé au fur et à mesure. Je sais pas au bout de combien elle est totalement remplie. Ça, je saurais pas dire. Ok, j'ai réussi à les tuer. Ok. On prend de la vitesse. Rup. Aïe! Tiens, j'ai pas réussi à les tuer. Alors, il y a vraiment, franchement, le maniement pour pouvoir... taper. En même temps qu'on bouge, c'est vraiment pas évident. Et là, oui, bon, évidemment, il doit y avoir un game over. Toutes les étoiles, ouais. Ah, que c'est joli! Oh là là, que c'est magnifique! Le game over petit, avec plein de petites étoiles à la Mario. Ah, c'est génial, j'adore. C'est super. Je suis mort au deuxième niveau. Du coup, je recommence tout au début, je parie. Est-ce que je recommence tout au début? D'accord. Donc le jeu n'est pas si facile que ça. Voilà. Puisque si je joue pas un niveau, je recommence pas au niveau d'avant. Ou sur la map, je recommence le jeu totalement. Donc je sais pas s'il doit y avoir des passwords, mais j'ai pas dû regarder. Donc là, on va aller vite parce qu'on sait qu'il n'y a rien du tout. Voilà, on s'en fiche. Blablabla. On va finir le niveau. Ah oh, bah voilà, plus je me suis... Non, je veux sauter. Je veux sauter, merci. Hop là. Et ouais, je suis mort. Non, franchement, je suis nul. C'est incroyable. Comment on peut être aussi nul à ce jeu, quoi. On est au niveau 1, je perds une vie. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est le genre de jeu où, normalement, enfin, je sais pas, un enfant de 4 ans, il va commencer à y jouer, parce que je pense que ça va pas être pour les adultes, ce genre de jeu. Enfin, je dis pas que c'est pas pour les... que c'est que pour les enfants, mais... En plus, je fais n'importe quoi. Je dis pas que c'est pour que pour les enfants, mais bon, c'est quand même un thème assez enfantin, donc on pourrait penser que... Que ce soit, bah, juste pour eux, quoi. Voilà, en plus, je suis mort. Et j'ai pas pris ma tasse de thé. J'ai encore oublié ma tasse de thé. Donc là, j'ai un score tout pourri. J'ai aucun bonus. Donc, eh ben, on passe au niveau 2 directement. Avec une vie en moins. Du coup, ça va être encore plus facile. Allez, on est parti. On est parti. Good luck, Pond.
Et là, on va essayer de se concentrer pour passer le deuxième niveau, qui est d'une difficulté extrême, que vous avez pu le voir. Bon, j'avoue, j'exagère un peu. Voilà, on saute. Non, c'est vraiment le la touche pour Oh le, mais c'est pas vrai ça. C'est pas possible. En plus, il compte le nombre de fois où je me suis fait toucher dans la partie d'avant. Ce qui fait que si je me suis fait toucher une fois en entamant le niveau, il faut j'aurais pu quand même faire toucher deux fois pour mourir. Alors imaginez, vous avez fini le premier niveau, voilà, je me suis touché. Le premier niveau, enfin, ou le troisième ou quatrième niveau, vous le finissez, il vous reste qu'une vie, bon bah vous arrivez, boum quoi. Allez, meurs. Merci. Donc là on va sauter. Super, j'aurais préféré débloquer une tasse. Voilà. Hop, on va faire le tour. C'est vraiment particulier, hein, cette apesanteur là. Bravo, deuxième game over. Je pense que je vais classer cette vidéo dans la catégorie fail parce que je n'ai même pas envie d'aller à la suite. Non, j'ai vraiment pas envie d'aller à la suite, je suis désolé. On va arrêter là, en plus je crois que cette vidéo est la plus pourrie de l'histoire de l'humanité réunie. Non, je suis désolé, je vais pas pouvoir aller plus loin. C'est... Bon, enfin, allez, on tente une dernière fois. On est parti. On tente, on est qu'à 18 minutes. Que à 18 minutes, hein. On n'a pas fait deux niveaux. Mais bon, on va retenter une dernière fois. Donc là on est parti, on passe en mode invincible. On passe en mode taillou. Yaou, cap fourré. Ouais, nickel, donc après on saute. Voilà, on va récupérer la tasse de thé. Le fromage. Bon, il sert à rien. Je vais récupérer la tasse de thé quand même, ça peut être utile. Voilà, j'ai refait la même connerie, quoi. Voilà. Ouais, sans tout va bien. Je récupère tout ça. Voilà. Là, je prends derrière, voilà, je prends la coupe. Comme ça, je l'ai rempli à moitié. Ah, il faut vraiment être... Là, je peux pas taper, par exemple. Ah si, quand même. C'est bon. J'ai fini le niveau. Stage clear. D'accord, ok. Donc, ma coupe, normalement, devrait toujours être remplie à moitié. Ok, donc on passe à la suite. Good luck, Pond. Good luck, James Bond. Bonne chance. Eh ben, merci beaucoup. On est parti pour la troisième. Ok. Je l'ai esquivé, je suis un ouf. Parfait. C'est pas possible. Alors je crois qu'en fait non, j'ai rien dit. Donc là il me reste quand même une vie, il me reste deux normalement. Voilà, il me reste deux vies. Putain, c'est pas possible. Alors, ok, le caillou on s'en fout, ça on va le prendre quand même au cas où si ça peut me donner, je sais pas, par exemple des points de vie, ouais, ça pourrait être pas mal. Voilà. Là j'ai rien, mais je vais en récupérer plus tard. On va voir si les ennemis repop. Ça peut être assez intéressant de le savoir. On disait qu'aussi sous les arbres,
on peut rester agrippé. C'est-à-dire que là, par exemple... Ah non, mais je suis bête. Oh, il y a quelque chose de bloqué. On va peut-être pas tout casser, voilà. Hop, et on peut y aller. Ah, ça c'est bien, ça, je suis content. Bon, apparemment, on peut pas aller plus loin non plus. Peut-être pas exagérer. Alors, est-ce que les ennemis sont revenus? Non, c'est une bonne chose. Par contre, je peux me faire toucher que deux fois encore, alors on va faire attention. Bon, on va avancer, on va pas essayer de tuer tous les ennemis à chaque fois. Sinon, on va se faire avoir. Donc là, je vais récupérer le plus de choses possible, voilà, une pièce. Tac, 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 on récupère des lunes. Ok, maintenant on va pouvoir passer par là, hop. Hop, une tasse de thé, j'ai juste évité les ennemis, juste pour finir le niveau, hein. Tant qu'à faire. Donc là on n'est jamais allé plus loin, donc profitez bien de ce moment de découverte intense. Voilà, en plus il me reste plus qu'une fois avant de me faire buter. Et encore une tasse de thé, magnifique! Ce jeu commence à être ma tasse de thé. Oui, je suis désolé, c'est vraiment plus fort que moi, il faut toujours que je fasse des blagues pourries. Donc on est parti, allez. Peut-être qu'il y a quelque chose là-bas, donc je vais essayer de voir. Non, apparemment on peut rien faire d'autre. Si je vais quand même aller plus loin. Est-ce que le jeu est fourbe ou pas? Non. Bon, tant pis. Voilà, on a cassé le... Je sais même pas ce que c'est, il a dit avant, je sais plus ce que c'était. Il y a une porte. Donc voilà, donc on est arrivé au niveau 3, c'est parfait tout ça. Et je n'ai des bonus ou pas? Non, j'ai pas de bonus, dommage. Bon, on va faire le troisième niveau, normalement on aura découvert un tout petit peu. La plaine du parmesan. Non mais, oh là là, c'est pas possible. Je m'en serais douté, mais c'était tellement évident, c'était tellement... Voilà quoi, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. La plaine parmesan. Eh ben... Allez, donc on continue. Bah oui, puisqu'on est au troisième niveau, autant le voir. Oh, c'est pas mal ça. D'accord, est-ce qu'on peut l'utiliser pour l'autre part? Oula. D'accord, donc là on a des... Je sais pas ce que c'est, mais c'est des trous qui nous envoient un peu plus loin. Bon. Bah, Roomnicht. Ah, peut-être que là il y a un bonus. Yes! Oh, cool. Ça a l'air sympa. Donc là on peut aller... Oula, on peut aller vachement loin là, dis-moi. J'ai récupéré quoi? Une vie? Non. D'accord, donc c'est un ressort quand je veux mettre sous mes pieds. Oh, ça a l'air pas mal ça. Oh la vache. Oula. Oh mon dieu. Je suis sous un ressort. Ah, je pense que le jeu commence à me plaire en fait. Il y a quelques idées assez sympas. Alors, donc là, on a un ressort. J'aimerais pouvoir... Non, ah, ça va pas être évident. Ça va pas être évident. Ah, il y en a un deuxième. D'accord. Oh, il y a même une tasse de thé. Ok. Un mandoré. Voilà, d'accord. Donc, ça calcule le... C'est quoi, ça? Convention, tu as trouvé... Tu as localisé l'unité de contrôle de votre ton ICU Spy Satellite. Trouve... Ouais, donc en gros, il faut trouver toutes les parties du satellite. Ok. Est-ce qu'on peut aller plus loin encore?
Oui. Oh, j'ai réussi à tomber sur un ennemi en plus. C'est parfait. Donc là, on va prendre tout ce qu'il faut, tant qu'à faire, voilà. Donc là, il semblait qu'il y ait quelque chose. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas le temps de voir. Ah, il y a une tasse de thé. Voilà. Ok. Je crois que j'ai pratiquement rempli la tasse de thé. Dommage que je n'ai pas trouvé le deuxième. Comment je fais pour enlever ça, par contre? Allô? Vite. Comment je fais? Est-ce que je peux taper? Non. Je veux pas prendre, je veux taper. Comment je fais pour retirer ça? Il y a un truc pour retirer? Non. Ah si. D'accord, j'ai trouvé. Donc en fait, quand on fait R1 plus bout, non, R1 plus... plus je sais plus quoi. Comment j'ai fait? Comment j'ai fait pour retirer mon... Ah voilà. Quand on fait R1 plus A, on peut retirer l'objet. D'accord. Bon, on va casser ça maintenant. Donc voilà, j'ai réussi à finir le troisième niveau. C'est incroyable, bravo, bravo. Non, ce niveau était assez plaisant. Je pense qu'il y avait d'autres choses à récupérer, mais je ne l'ai pas fait. Donc je suis assez content. Finalement, on sera allé plus loin que prévu. Je pense qu'on va se laisser sur ce quatrième niveau. Je vous avoue que pour l'instant, j'ai commencé à être déçu, mais il est quand même pas mal. J'avoue que là, ça m'a fait plaisir. Bon, la magnanimité est pas super. Disons que le coup, les combinaisons de touches sont un peu bizarres. Mais pourquoi pas. Donc apparemment, j'ai fini. J'ai fini 3 areas, enfin 3 airs, 3... Bon, il y a 3 niveaux. 3 zones, voilà. J'ai rescued aucun agent, j'ai sauvé aucun agent. Les mines de cheese, je sais pas. Skeleton machine, je sais pas. Une pièce de satellite. Et trésor perdu, 0. Bon. D'accord. Donc là, j'ai le choix d'aller... soit là. Je vais où, là? Bon, bah, je vais aller là, hein. Allez, on finit sur le cratère Gruyère. Pour terminer cette vidéo de toute beauté. Non, franchement, la vidéo partait très mal, mais là, bon. On va dire que ça se termine plutôt bien, et heureusement. Et heureusement. Donc, bon, bah... Ah, bah oui, alors, super, les trucs cachés à chaque fois. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quoi, Pond? C'est un pistolet à fruits, totalement chargé, avec des pommes comme munitions. Les fruits qui flashent pour les meilleurs pour des meilleurs munitions, enfin pour des meilleurs des meilleures balles. Ok. Et apparemment j'en ai illimité, donc c'est quand même pas mal. On va se faire plaisir, je sens. Ça, je sais pas ce que c'est. On va essayer de le prendre. Ah, bon, c'est vrai qu'un James Bond tel qu'il est, même en torture, en amphibien, se doit d'avoir la panoplie de James Bond, c'est normal. Donc en même temps, bon, il n'y a pas de quoi être super étonné. Par contre, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi déjà? Oh, le bide. Écoutez-moi ce bruit, quoi. Bon, les musiques sont assez classiques, hein, je suis en train d'y penser, y a vraiment pas de quoi casser les pattes à un canard. Mais bon. Je sais pas à quoi ça sert ce truc, franchement. Bon, dans le doute, on va tirer. Dommage, je n'ai plus le ressort, c'était vraiment... je trouvais ça assez marrant. D'accord. Donc grâce à ça, on va pouvoir finir le niveau, enfin, remonter par là. Donc là, on va sauter.
Ah, c'est ça, les fruits qui flashent qui font plus de dégâts. D'accord, bon, on les a trouvés. Alors, donc là, deux autres. Bon, je sais pas lequel est mieux, s'il fallait prendre les deux ou pas, mais bon, tant pis. D'accord, donc ça les tue en deux coups. Alors là, on va faire plaisir, moi je vous le dis. Oh, une étoile. Une étoile. Comme dans Mario. Mais ça donne des points. Bon, tant pis. Et là, il y a encore un truc. Je sais pas ce que c'est. Ah, peut-être que si je saute dessus... Et j'arrive pas. J'arrive pas à sauter dessus. C'est un peu dommage. Allez. Ah, je sais pas à quoi ça sert, ce truc. Bon, apparemment, ça sert à rien. Bah, ça sert à quelque chose, j'en suis sûr. Mais je sais pas comment le prendre. Donc là, je récupère des sous. Toujours pareil. Est-ce qu'on peut détruire ça avec des... Non, ça n'a pas marché. Et là, toujours pareil, il va falloir quitter... Il va falloir quitter notre objet, voilà. Là, on prend. Là, on quitte. D'accord. Et là, on va casser ça pour terminer le niveau. Bon, bah voilà, on aura fini le cratère gruyère. Même si je pense qu'on a loupé énormément de choses. Enfin, quoi qu'il en soit, bah écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal pour un début, pour un jeu qui commence à me gaver. C'est pas trop mal. Alors, je veux juste savoir le nom du dernier niveau. Alors, on va faire un jeu. Un jeu bidon qui sert à rien. Mais en bas de la vidéo, vous allez me dire quel serait le nom de ce niveau qui se trouve à droite. Mais je vais pas y aller. Je vais pas vous le montrer. Mais je veux vous trouver le nom du prochain niveau. Celui qui trouve... je sais pas s'il y aura quelque chose, j'en sais rien. C'est juste pour le fun, mais... Voilà, celui qui trouve, je lui dis bravo. Je lui dirais que c'est qui a raison. Mais voilà. En tout cas, je donne un indice, chercher... Chercher du fromage, hein. Je pense qu'il n'y a que ça qui permettrait de trouver. Voilà. Bon bah écoutez, on va cesser là-dessus. Donc c'est James Bond sur la Super Nintendo. Jeu bah assez space, mais au fur et à mesure de niveau, on sent que ça peut être pas mal. Voilà. Bon après, je sais pas, je pense pas que ce soit un très grand jeu, sinon j'en aurais beaucoup entendu parler. Mais pour l'instant ça se tient, hein, ça se tient. Voilà. C'est correct, sans plus. Voilà. N'oubliez pas de. Je l'ai dit en bas de la vidéo, de trouver le nom du prochain niveau à droite. En français ou en anglais comme vous voulez, mais bon, en français, ce sera peut-être plus simple pour moi de comprendre, hein, vous avez vu mon niveau d'anglais. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, et ciao tout le monde !